Ça filme. Faut que tu dis coucou les loulous, mon gars. Ah ouais. Coucou les loulous. On est... Alors, on est dans le train pour aller à Liège. On va voir une expo vraiment cool. On vous réserve la surprise de ce que c'est. Allez, on se revoit tantôt. Tout de suite. Voici à la gare de Liège, Guillaume. Elle a été construite en 2009, achevée en 2009. Alors, on peut savoir qu'à l'origine, il y avait un couvent ici qui appartenait à l'ordre religieux des Saint-Guillaume. Et c'est pour ça qu'on appelle la gare de Liège, Guillaume. C'est une des plus belles gares du monde, d'après plusieurs sources. De la gare. Ah, c'est bon ? Ouais. Alors la surprise c'était tout en camon. On a décidé de venir ici parce qu'on trouvait ça intéressant. En fait, tout en camon c'est un pharaon hyper connu parce qu'avec son sarcophage on a trouvé plein de trésors et c'était un pharaon très jeune aussi dans l'histoire des pharaons. Allez, au revoir. On est arrivé dans l'expo, on est dans la première salle, on a reçu des audio guides et il y a beaucoup de monde. Allez, on va aller voir. C'est une représentation du sarcophage de Toutankhamon et de comment ils l'ont transporté. Ici, c'est une des salles qui était à côté de la salle du tombeau. On peut voir les objets différents qui ont été mis. Enfin, il chauffe la cuve du sarcophage en or pour la séparer de celle du deuxième cercueil. Enfin, c'est la fouille de la momie. Impossible de retirer les bandelettes qui ont été elles aussi solidifiées par les liquides résineux. Elle est donc littéralement disséquée. Et c'est ainsi que Howard Carter découvre les quelques 200 objets dissimulés entre les tissus. Voilà les loulous, on revient de notre exposition à Liège, donc on est dans le train. On va faire un petit feedback sur ce qu'on pense de l'expo. Mais voilà, à toi Romain. Bah, c'était vraiment intéressant, c'était varié, il y avait un ou deux guides, t'avais parfois des vidéos, t'avais des descriptifs, avec, t'avais des objets, des reconstitutions. C'était vraiment intéressant et bien fait. Au niveau culturel, on trouvait que c'était important d'aller voir cette expo pour connaître un peu la culture antique. Parce que ça a influencé notre monde jusque maintenant, notre société. Faut voir que. On peut voir qu'on a beaucoup de liens. Je trouve pas mes mots, mais. C'est vrai que ça a beaucoup influencé. C'est une société complètement différente, mais ça a influencé notre société jusque maintenant. Et alors que ça s'est passé il y a 3000 ans, quoi. Oui. Donc maintenant, on va parler de Toutankhamon. Il est arrivé sur le trône à l'âge de 8 ans et il est mort à 18 ans. On s'y attendait pas trop déjà parce que son frère et sa sœur sont morts et c'était une surprise totale.
sa mort aussi est surprenante. Et alors la découverte de son tombeau, c'est une des plus grandes découvertes du XXe siècle. Et on en parle d'ailleurs encore beaucoup. Donc on a été ravis de aller voir cette expo pour vous. Et ça nous a fait plaisir. J'espère que vous allez aimer regarder cette vidéo. Ouais, cette vidéo. Et on se revoit une prochaine fois. Salut.